Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Confrérie du Mal avec Katox. Salut Katox. Salut. Et on était en train de notre côté de raser Bordelot, et toi tu venais de finir Sartosa. Et ouais, je crois que je vais te passer la main, je vais faire un dernier tour vite fait des villes, mais... Ce bâtiment là, faut vraiment pas le coup... Là c'est bon, là c'est bon, là on est bon, et là on était bon, on avait investi... toute la thune de Bordelot dans notre capitale, merci à eux. Et je te passe la main du coup. Et donc du coup, est-ce que tu sais quelle sera ta prochaine cible? Quand tu traversais, remontais sur la côte, il m'avait parlé des nains à une époque, est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Ça va y réfléchir, parce que je suis toujours en guerre contre les elfes. C'est vrai que du coup ils t'avaient attaqué aussi. Après ils traverseront pas, hein. Très peu probable. Hein. Et je vais aller les chercher. Donc, faut pas se sentir obligé, c'est toi qui vois. Bah j'y réfléchis, de toute façon je pense que je vais passer pour le temps de stabiliser un peu Sartosa. Oui, c'est vrai qu'avec la corruption, l'ordre public ça doit être la teuf aussi quoi. Oh en fait ça va en fait. Ah non, oui, ils ont... je suis sûrement monsieur. Ils ont pas de malus de à cause de la corruption, les Skaven peut-être. En tout cas, je le vois pas moi quand je pointe la cité. Effectivement. Ils ont malus contre leur propre production, leur propre corruption. Ah malus. Bah en fait, ouais, la corruption donne un bonus, mais pas de malus si t'en as pas. Et du coup, ouais. Ils s'en foutent de la corruption vampirique. En même temps, ça s'entend, hein, la corruption vampirique, la description, c'est que c'est tout moisi en extérieur, il n'y a pas de quoi manger et tout, mais les Skaven, ils s'en branlent avec leur tunnel et tout. Hein. Ça reste logique. Ça fait du sens, comme diraient les Anglais. Comme dirait la Bretonie. It makes some sense. It makes some sense. Parlez le Bretonie. Unis contre nous, Avlorn. Ils nous étaient pas encore en guerre contre nous, Avlorn. Bah écoute, voilà qui est fait. Il y a Saferi qui est pas en guerre contre nous, mais je crois qu'à part ça, il y a quasiment toute l'île. Hein. Et ce qui est génial, c'est que je les connais même pas, mais ils sont en guerre contre moi quand même. On va aller les satisfaire, j'ai pas trop peur. Alors, Bordelot, est-ce qu'il sort? Il sort pas. Bon bah, on va le piétiner. Après, du coup, tes possibilités, c'est quoi? C'est traverser, il y a le clan Morse et les Kemri derrière la Bretonie. À droite, c'est l'Empire. Un challenge qui peut être assez intéressant. Un peu plus à droite, en bas, c'est les Orques. Ah merde, populace mécontente à Kennel, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ces terres sont hantées, les esprits et les fantômes des soldats tombés, des victimes des batailles d'un autre temps, tout s'harcèle et effraie nos guerriers. Bon, mais franchement, les mecs, vous déconnez ou quoi? Soyons sérieux, soyons sérieux deux minutes. Je me demande si je devrais pas enchaîner les recettes en fait, tout simplement parce que ça me donne des bonus quand j'en cuisine plus. Si je cuisine 15 recettes, Grom grossit. Et j'ai dans l'idée que Grom qui grossit, c'est plutôt bien. Allez, je pense qu'on va la faire en auto celle-là par contre. Bisous. J'avais même pas mis de truc dans la file de construction, tiens, c'est bizarre ça. J'étais presque sûr pourtant. Et c'est la fin de Bordelot. 8000 de mes assacs. Non, on va piller occuper, c'est bon. On a déjà des gros malus d'ordre public. On va rester sage. Ah oui. Si je clique à côté, ça va être compliqué. Effectivement. Faction détruite, Bordelot. Alors, on a un petit truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Coup de recrutement, capacité de recrutement, taux d'extorsion, croissance. On va faire ça. Ici, on va passer en... Coup de recrutement dans l'optique de recruter notre petit seigneur. Alors toi t'es passé level 12, pas mal.
Ouais, on va continuer de te booster ta magie. Le tort du chromino. Qu'est-ce qu'elle fait de beau dans sa vie? Ah, elle a débloqué immortalité, on prend. J'avais pas vu ça tout à l'heure. Et on a un bon petit pécule et on arrive même à maintenir nos deux armées, ça fait plaisir. Ici on peut direct partir sur les murs, on a de quoi faire de la croissance, c'est plutôt parfait. J'ai le problème de mettre à sac, hein. On repart de zéro à chaque fois, du coup c'est un peu chiant, là au moins on est bien. Alors maintenant si on voulait débarquer... Alors là il y a Elysia qui n'est pas en guerre contre nous étrangement. Du coup ça vaudrait peut-être le coup de ne pas déclencher la guerre contre eux. Et donc de ne pas débarquer trop près. Donc les autres possibilités, si on débarque à Tralinia, qui est quand même une très grosse province, assez étendue, mais c'est des montagnes, donc on sera avantagé niveau mobilité par rapport aux elfes, donc ça pourrait être pas mal. On va à Brionne, et on se prépare à embarquer. De toute façon, si je veux aller ici... Ah, c'est quand même plus court si je vais là-bas. Bon bah, allons là-bas alors. On va envoyer Grom s'occuper des elfes. Ouais, il va falloir faire le tour. On a une armée de qualité, hein, remplie de gobelins. Qualité gobelin, dans la même phrase. N'est-ce pas, hein. Tiens, toi aussi t'as remarqué le petit truc. Mm. Et on aura comme seigneur... un Rachnik griffe d'araignée qui peut invoquer des œufs d'araignée. Très bien. On va pas le recruter tout de suite vu qu'il sert à rien et qu'il augmente le coût. On fera ça au dernier moment. On a trop de matériaux, on va quand même se permettre d'améliorer un peu ces gobelins là, qui tiennent mieux la ligne. Et je te passe la main. Alors, faction identique, bord de l'eau. Bien. Je t'en doutais un peu, je suis sûr. Ça va, j'ai eu des previews. Ah ça y est, et là il y a un malus de corruption qui est apparu dans la Sartosa, bizarre. Mm. Ouais. Le calcul est pas évident. Test subjects. Myrmidens, les principautés frontalières de l'Ouest. D'ailleurs, notre ordre public se donne quoi ici? Ça se stabilise. Là, on a un surplus de population, c'est parfait. Ici, c'est bon, ici, c'est bon. L'ordre public est positif partout, ça c'est parfait. Ça met un petit peu de temps à grimper, mais ça va. À toi. Alors d'ailleurs, on pourra envoyer un héros, hein, histoire d'éclairer un petit peu le bousin, peut-être faire ça. Tant que Erwan revienne à un port. Et je pense qu'on va se faire une armée assez qualitative qui va se balader dans le coin pour peut-être aller raser de l'elfe, chercher les trucs qui nous manquent dans les montagnes ou buter Mousillon pour se faire un peu de thunes. On va envoyer. Ah, Mousillon, il est solide quand même. Ouais, je sais, ouais. Surtout que là, il a une très grosse armée dans sa cité. Deux rois revenants, le duc écarlate, seigneur légendaire, on est d'accord, c'est pas un truc qui va tomber comme ça quoi. Oh non. Mais ça se fait, franchement avec bon j'allais dire des orques mais non, du coup avec des gobelins un peu balèzes, ça se fait. Aquitaine. On va rester un petit peu pour gérer l'ordre public un tour. Alors du coup ici.
On va améliorer le poste de la pierre noire. Là, on gagne un wag par tour, c'est un peu la merde. Un tour assez calme. Ici, ouais, ce bâtiment là. Après, faudra qu'on les fasse un jour. Hein. Et Aquitaine, on a les murs qui se font. On a une crochue, elle veut toujours pas se fédérer. On pourrait commencer à faire des trucs intéressants. Genre ça. Former une confédération, c'est pas tout de suite, mais petit à petit. Hein. Ah, puis ils sont en guerre contre les elfes. Eh bien. On a découvert les von Karstein, j'avais pas fait gaffe, je me souvenais plus. On a découvert la flotte de la terreur, ça c'est une moins bonne nouvelle. Les défenseurs du grand dessin qui ne sont pas disparus finalement. Bon, la diplomatie ne laisse pas trop de possibilités, je te passe la main. Ça va être un petit peu plus calme cet épisode, on dirait. Pourtant, on a du chemin à faire. Hein. C'est un peu trop beau ce territoire elfique là. Il y a des arcs-en-ciel, des fontaines, des bâtiments avec des petites auras bleues. Ça manque de gobelins. Ouais, franchement, ça manque d'elfes pendus au mur, moi je trouve. Il va falloir qu'on y travaille. Quelle brutalité. Et donc, avec tes armées là, maintenant t'es en train de rattraper mon équilibre de force. Tu recrutes de la qualité? Non. Absolument pas. Du nombre, du nombre. Ne confondons pas. Non, non, alors là. Aucun lieu. Aucun espace pour confondre. Alors, si je me barre, ça me fera moins 6 dans la ville là, donc mon tour. Mon armée, ouais, fou. Et c'est vrai que les recettes de Grom quand même, rien que le truc qui file régénération pour tous les gobelins, ça aide. C'est forcément après les batailles, elles se passent bien quoi. Voilà. Alors, tu te prépares à faire quoi? Rien pour l'instant. Pour l'instant, je maintiens Sartosat. Ouais, si je me barre et que j'ai une révolution sur les bras, c'est chiant. Ouais, puis ta présence militaire, c'est quand même 20 de bonus, et il y a quand même que plus 15. Donc si tu te barres, il y a 6 tours où tu vas être en négatif le temps que l'instabilité se calme. Yep. Après, il y a moyen que tu aies une très bonne garnison dedans, par contre, à un moment. Mais... Ouais. On verra ça. On verra. Alors il y a une cible dont on n'a pas parlé, hein, ça serait d'aller taper sur l'Empire, mais je suis pas sûr quand même. C'est quand même un vachement gros morceau. Ouais, et en plus c'est de la province de merde pour moi, donc je pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt. Allez, on va voir, est-ce qu'il y a des armées là? Ça a l'air d'être plutôt à poil. Hein. C'est une bonne nouvelle. On va pouvoir prendre la mer. Alors si on veut aller jusqu'ici, le chemin le plus court, c'est par là. Allez, il est temps d'aller reconquérir ce qui nous revient de droit. Et par contre là, histoire de pas trop glander à l'arrière, on va commencer à faire une armée. Donc recruter Rachnik Griffe d'araignée qui va se charger de tenir l'arrière-pays à lui tout seul. Parce que pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre de beau dans son armée? Des orques noirs, non. Des gobelins de la nuit. Des gobelins de la nuit fanatiques et des gobelins de la nuit pas fanatiques. Qu'est-ce qu'ils font de plus et de moins?
Ils sont exactement pareils. Non, ils ont une arme spéciale à distance. Quoi? Mais ils ont même pas de munitions. Ah, ils peuvent lancer des barjots tournoyants, c'est un vortex. Ils peuvent immobiliser des unités. Ok, ils ont une capacité en plus qui fait qu'ils ont... Ils peuvent lancer des trucs. Ouais, alors est-ce que pour autant de plus, ça vaut vraiment le coup? C'est quoi exactement? Vortex, 12 secondes... Je peux le faire 3 fois par combat, inflige dégâts perforants, petite zone d'effet mobile, agit sur des unités multiples. Libération imprévisible de l'unité. Ok. Ah, et c'est une capacité d'unité, c'est eux qui se mettent à tourner en fait. C'est pas une compétence qu'ils lancent, c'est eux qui se mettent à tourner comme des tarés en tapant tout ce qui se passe autour. Ouais. Ouais, non, franchement, ça me paraît pas valoir le coup. Hein. Pas top. Sinon, on a. Bah, disons qu'ils coûtent. Quand même presque 100 de plus à l'achat et 20 de plus d'entretien par tour, quoi. C'est quand même pas mal, 20. Hein. Bah, ça commence après, à payer. Hein. Vu la thune que t'as, pour l'instant, c'est pas problématique, mais. Bah, j'ai que 1300 de revenus, hein. Faudrait pas non plus. Enfin, j'ai fait des tests hein, où tu peux être bien en négatif, mais alors par contre, si pendant quelques tours tu rases pas une cité, c'est compliqué quoi. Ça part vite en sucette. On va prendre la compo standard pour l'instant. Deux gobelins de la nuit pour gérer les charges sur les côtés, trois au milieu pour tenir. Derrière, on pourra prendre des trucs à pointe, quelques petits trolls. Les trolls de pierre, tant qu'à faire. Les lance-rocs, on va attendre d'avoir un peu mieux. Les gobelins des forêts sur araignées, très très bon pour les charges. On va partir là-dessus pour l'instant. Ça me va bien. Est-ce qu'on pourrait pas recruter un petit héros? On peut prendre un grand chef orque noir, grand chef gobelin, on n'a plus la place. Donc du coup, on prend rien. C'est dit, c'est fait. Hop, à toi. Hop, voilà. Et on gagne un petit bonus d'obéissance, et ça c'est cool, parce qu'on est passé au niveau de WAC suivant. Comment ça on a du bâtiment qui donne moins 2 hein? C'est quoi le délire? Ah, le Skaven prend la mer. Je vais chercher le petit, petit événement qu'il y a là. Avec un peu de chance, je peux me faire un peu d'argent. Et puis en même temps, je spam les côtes un peu ce qu'il y a dessus. Ok. Faction rencontrée les mains sanglantes, faction rencontrée les Khemri. Mais tout ça, c'est du territoire désagréable. Hein. Même confédérer ces orques, ça ne sert à rien de toute façon. On n'est pas au max ici, ah non, on n'est pas au max encore. Y a même pas de quoi traverser ici, hein. C'est vraiment une pure île. Bah, ce sera un bon petit pied-à-terre du coup. Du coup, toi, ce serait peut-être plus intéressant que t'ailles quelque part par là. On peut embarquer par là, peut-être. Dorivray, c'est ça la capitale de la province. 11 unités de garnison, la vache. Ah, un petit héros, ça faisait longtemps. Ouais, parce que j'ai une quête qui me demande d'aller. Allez. Je crois que c'est l'illustrie là en bas. Donc, je vais aller, ça me fera un petit peu d'argent aussi. Je suis un peu en quête d'argent, tu vois. Essayer de me faire une économie valable. Parce que là pour l'instant, c'est. C'est pas facile ça. Je vais pas mettre de côté. Ah parfait, les elfes se tapent dessus, c'est le bon moment les gars. Allez-y, faites-vous plaisir.
Safri à Iten et Safri à Ivresse qui se tapent dessus. Tant mieux. Tout bénef. C'est clair. J'ai envie de vous dire que voilà une idée qu'elle est bonne. Les dieux sont en colère. Ah merde. Bon, on peut payer le tribut, c'est bon. On va pas... Un peu plus d'obéissance, ça stabilisera dans mon dos. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire tout de suite, c'est filer de l'équipement, si on en a, à lui. Pof, objet enchanté, un petit sort de boule de feu, très bien. Et au niveau des trucs, là, on va avoir quelques trucs à donner. Ah, pas tant que ça, on a juste un pauvre ramasse champi tout pourri. Bah tant pis, c'est pas grave, on a juste un ramasse champi tout pourri. On fera avec. Du coup, toi, si tu veux débarquer là... Ah si, on peut traverser là, on est d'accord. C'est parti. Tu peux faire un petit vol de technologie, mais d'un dans l'autre, notre technologie se termine dans un tour, donc c'est pas forcément pertinent. Ouh, puissance des armes plus 10%, oui, on prend ça. Là, si je me mets en vitesse 1... Ouais, je peux pas. Ouais, d'accord. Il va me dire que je suis trop loin. Est-ce qu'il faut que je débarque, c'est ça? Ouais, voilà. Oh, putain. Essaye de débarquer sur la côte, à côté. Non, parce que c'est dans la ville, donc je peux pas. C'est dans l'aura de la ville. Donc je peux pas y aller. En fait, je peux pas débarquer parce que c'est dans l'aura de la ville. Si je veux débarquer, vraiment, faut que je débarque beaucoup plus loin au sud, sur la côte, que je fasse le tour et que je rentre par derrière. Normalement, tu peux lancer l'attaque. Ouais, mais là, il me manque, je suis gris là, je peux plus. Ah merde, c'est vraiment. Voilà. Comme tu dis, c'est vraiment au taquet du taquet. Mais bon, moi, je suis pas en avance forcée, donc je serai pas essoufflé et tout si jamais quelqu'un décide de me tomber dessus, même si je vois pas trop qui. Eux le sont, non? Ah non. Voler de la technologie, réduit le temps de recherche pendant 3 tours. Ah, on peut tenter, allez. Succès, parfait. Ça fera un petit peu de bonus, cadeau. Et là, on va prendre le soleil violet de Xereus. On a vu qu'il était plutôt énervé, le soleil violet. D'ailleurs, j'ai déjà plus que 900 de revenus, hein. Ça tombe vite, hein. On va prendre quelques chariots à pointe. Un troll de pierre, un troll d'eau. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont le truc qui pue, c'est ça? L'odeur étouffante qui diminue l'attaque en mêlée, c'est pas mal aussi. Hein. Eux ils jouent sur la force brute en fait. Pour l'instant on va prendre qu'un troll. Un peu de cavalerie, j'ai pas pris d'archer. Ah, j'ai pas pris d'archer, on va prendre des archers. Alors là c'est pareil, qu'est-ce qu'ils ont de plus ces archers fanatiques? Une capacité... Ils ont aussi des bargeaux tournoyants les archers fanatiques. Donc c'est pas eux qui tournent. Ouais, bon bah on va rester sur de l'archer gobelin de la nuit de base. Hein. Ça sera très bien. Et à mon avis, on va commencer à passer en négatif en thune après ça. Il va donc falloir économiser un chouille. C'est quoi le bâtiment que je peux faire ici? Ah. Étrangement, les orques ne se servent pas de teinture. Je suis surpris. Ils ont pas l'air de se servir de quoi que ce soit, tu sais. Bah si, il y a différents bâtiments, ça donne quand même des... Tu peux quand même faire des trucs particuliers, par exemple le pâturage. Je pouvais faire le repère des bêtes qui me donne des bonus pour les chevaucheurs de sangliers et tout quoi. Mais visiblement, de manière absolument étrange, et bah la teinture non. Le sel, je peux faire quelque chose avec le sel? Non, je peux rien faire avec le sel. Et ben, on fera rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je te passe la main du coup. On débarquera au prochain tour. C'est comme ça. On va aller voir ça.
Et surtout que là t'as une armée, même s'il y a un combat, tu peux te le tenter quoi. Ouais. Coffre rempli de cartes, hein, pas mal. Ah tiens, cette zone là elle est climat approprié. Alors oui, tiens, j'en ai pas parlé, mais j'avais complètement oublié, j'ai une quête là. Alors y aller à pied ça fait chier, mais peut-être se téléporter avec le héros un moment pour la faire, ça nous permettrait d'avoir la hache de Grom. Qui est plutôt intéressante, on va dire. Hein. Gros bonus, une capacité qui augmente quand même de 50% tous nos dégâts et qui casse les armures des forces en face. Et au niveau de ce qu'on a à affronter, il y a un géant, des trolls, beaucoup de trolls, pas mal d'archers, des archers sur loup. Et en plus ils attendent des renforts. Oui, ça va pas non plus être ultra trivial comme combat. Faudrait que je me prenne un tour pour faire ça là. Me téléporter là-bas, faire la bataille et revenir. Enfin, si la téléportation est pas hors de prix, hein, parce que... Ah, la flotte de la terreur qui m'approche. Il veut de la guerre ? Un pack de non-agression. Ouais, dans le concept, je suis pas contre. Tu files de la thune ou pas ? T'es déjà en modéré de base, ça m'étonnerait. Ouais, non. Il n'en veut pas. Bon, en même temps, sa puissance était complètement... L'Empire se renforce encore. T'as confédéré Marienbourg, quoi. Ouais, ouais, c'est pas le truc que j'aurais eu fédérer, mais... les tyrans de l'océan noir m'ont déclaré la guerre. Ah d'accord. C'est cool. Elfe noir en level 36. Dedans et dans son armée il a quoi? Des cariatbis, des manticores sauvages, des balises faucheuses. Mais normalement c'est très rare qu'ils viennent te chercher quoi. Parfois ils te déclarent la guerre. J'ai fait des parties entières où ils m'avaient déclaré la guerre et ils font que tourner en rond, tu sais. Bah écoute, on verra, là c'est peut-être parce que j'étais à côté avec deux armées, j'en sais rien, mais en tout cas, ouais, s'il vient, s'il débarque sur une colonie, ça va piquer quoi. Parce que là, franchement, je vois pas une garnison arrêter quoi que ce soit là, mais. Ouais, bah, on passera derrière. Ouais. Allez, toi, retourne dans l'armée, hop, et on a ce lasso. Ah mais tu es sérieux? J'ai cru, putain là-bas, j'ai cru qu'il fallait qu'il débarque et qu'après il attende quoi. Bon normalement maintenant que lui a débarqué, on peut débarquer nous. Et on vient en renfort et on les dépouille. Alors qu'est-ce qu'il y a en France? Des lions blancs de crasse, patrouilleurs archers, un grand aigle, des hommes d'argent, des gardes maritimes de Lauterne. Ouais ouais, ça va, hein, c'est correct mais... On va les dépouiller. En résolution auto, je pense qu'on va voir des combats avec des elfes à faire. Donc... On met à sac. On va commencer par mettre à sac les elfes pour leur bien leur expliquer ce qu'on pense d'eux. Et derrière, on prend la cité. Et on a découvert un nouvel ingrédient. Cool. On peut savoir ce que c'est. Viande de lion. Ça a le goût de gibier, mais qu'est-ce que c'est bon, on en trouve des plus frais sur l'île des têtes pointues. Bah pour fêter ça, on va se faire une petite recette. Puisque notre recette arrive bientôt à expiration. Ça fait quoi d'ailleurs ce truc? Bonus de charge pour les squigs. J'ai pas de squigs.
Vitesse plus 10% pour les unités de cavalerie gobelins, les chars gobelins et les troupeaux de squig. J'avais même pas qu'on pouvait recruter des squig. Si. Ça, j'en ai déjà vu. Ça c'est quoi? Cap Berserker pour les unités orques, on s'en fout, de toute façon on peut en mettre qu'un. Est-ce qu'on met de la mer, obtenant une quantité d'or, taux de reconstitution des victimes? Protection spéciale pour les idoles sauvages, c'est pas trop utile. Sens troublé pour les trolls et les géants, coût de recrutement moins 50 pour les unités de trolls. Ah merde, j'avais complètement oublié que j'avais ça. Allez, on va le faire. Des champis au fromage. Et on gagne le smoothie gluant pour Grom. Tant bien. Cuisinons ça. Boum. J'avais jamais fait. Hein. Champi au fromage. Hop. Et hop. Ah, on a gagné Goinfre. Point de vie plus 8% et recrutable plus 1 pour les grands chefs gobelins. Parce qu'on a cuisiné 4 recettes. Parfait. Sympa. Ça, ça fait bien plaisir. On va pouvoir prendre un grand chef gobelin pour renforcer notre héros. Et effectivement, lui, j'avais vu qu'il avait une j'ai un mec, il avait une compétence qui améliorait les squigs, mais j'avais absolument pas percuté du coup. Alors, plus de magie. Et du coup, où est-ce qu'on recrute des squigs? J'ai rien vu pour ça. Massif d'Orquemont, menu des bâtiments, j'ai rien de vite fait, excusez-moi, ça c'est des gobelins. Orque noir, gobelin, gobelin, araignée, archer gobelin, costaud orc. J'ai toutes les unités de recrutement de base de toute façon, donc. Ça c'est des chariots à pompe snotling, c'est pas des squigs, c'est des snotling. Peut-être un DLC. Normalement non. Il n'est pas dans un bâtiment de fourniture, de nourriture ou quelque chose dans le genre là. Peut-être un truc spécial. Merde, je voulais regarder dans le wiki là, mais en fait il n'y a pas de d'outils de recherche. C'est un peu naze ça. Page dead. Unité. Putain, y'a pas moyen d'avoir le vrai wiki là, vous êtes sérieux? Idée sort, page dead, discussion. Ouais! Bon, on va dire que pour l'instant, le wiki, on va faire sans. On trouvera peut-être les squigs à un moment ou à un autre. On va du coup débloquer ça. Et donc toi du coup, j'ai presque envie de rendre cet orc pour le re-recruter à 50% moins cher. Cet orc, ce troll, pardon. Ah oui putain, 275 seulement le recrutement de troll. Ça fait plaisir. C'est moins cher que son entretien quoi. Du coup on va en prendre deux. Et puis on va prendre une petite catapulte à plongeur dans la mort avec pour le plaisir. Juste parce qu'on peut. Juste parce qu'on peut. Et pour aller avec, on va prendre des petits gobelins de plus. On va laisser tomber les gobelins de base, même s'ils ont leur 400% de puissance des armes là. On va partir sur du gobelin de la nuit fanatique plutôt. Et par contre, on devrait être complètement en dèche de. Enfin, en dèche de thunes. Pas en dèche de thunes, mais en revenu négatif incessamment sous peu. Et peut-être temps d'investir dans les bâtiments à la con. Hein. Hop. Hop. Et ici, on peut faire quoi? On peut faire des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? La forge d'orc noir, on s'en fout. On va peut-être faire des murs ici, parce que c'est un peu à poil quand même. Et on va augmenter la croissance. Voilà. On investit un peu, alors qu'on sait qu'on va être dans la merde financièrement. Parce qu'on est quelqu'un de tout à fait pertinent. Y a un niveau à prendre là, j'avais pas vu tellement de choses à faire. Plus de vitesse pour toi, je veux. Et Grom, qu'est-ce qu'il peut faire? Bugler, taille de le rendre commandement plus 25%, on prend.
Et je te passe le tour, on va faire un épisode un petit peu plus long tranquillement, pas de stress. Étiquette fatale, ok, intéressant. Alors l'elfe noir, j'aurais préféré qu'il déclare la guerre aux elfes, hein, on va pas se mentir, mais bon. Ça l'amuse. Alors vu d'ici, le Khemri a l'air un peu dans la merde. Il a une armée là, ça dit c'est pas son armée principale, c'est pas le chef de faction, mais il y a trois armées pleines autour de sa tronche. Après c'est peut-être des armées que de Pécor, c'est possible aussi. Il y a Jeanne qui arrive là, avec l'épée de Lyonnais. Et ben voilà, bonne chose de fait. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste une amélioration de campagne quoi. Oui. Ah oui, il y avait un truc sur la map, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Bon, on a débarqué, donc c'est maintenant que les elfes devraient commencer à s'exciter un peu normalement. Donc c'est pour ça que j'ai débarqué là-bas, pour pouvoir avoir quelque chose qu'ils vont avoir du mal à contourner. Ouais, c'est vrai que tu peux, surtout que tu peux attendre avec une armée au point de passage, normalement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rejoindre la guerre contre Karaknorn. En échange d'une alliance militaire. En échange de thunes. Ils n'ont pas beaucoup de thunes. Ouais, ils veulent pas. En échange de l'alliance militaire, on va aller chercher la Confédération petit à petit. On ira voir éventuellement si on va les aider ou pas. Ça y est, alors la crasse va nous dire ah, vous avez débarqué, la guerre. La guerre. On va pas appeler nos alliés, c'est pas besoin. Ah, les elfes ils apprécient pas. Bon, Sepharil ou Sipharil, je sais plus comment c'est là. Devrait théoriquement pas nous la déclarer, il a déjà, je pense, suffisamment à faire. Sepharil, c'est détruit. Oui, c'est ce que j'étais en train de voir, il a surtout disparu, ouais. Eh ben écoute, ça va pas durer longtemps. Moi, il va pas t'ennuyer. Non, moi il m'ennuiera pas. On a découvert un nouvel ingrédient, parfait, c'est quoi? Un champignon. Je crois que c'est celui-là. Champi au pigment infernal. Frénésie pour les unités d'infanterie gobelins, résistance au feu plus 25% dans toutes les armées. Ça va bien. Ouh. Avec la régénération. Bon après on vient de faire une recette donc on va se calmer. Il nous faudra un truc volant là. Il faut quoi? Réussir une wag contre une nation d'elfes. Remporter une bataille contre une armée possédant des créatures volantes de lustrie ou des machineries ailées. Récupérer la hache de Grom. Ah bah voilà! Mettez à sac une colonie d'elfes noirs ou remporter une bataille contre une armée possédant un dragon, un vouivre ou une vuivre de givre. Alors on va peut-être faire la bataille. Comment ça fonctionne? Si je veux me téléporter, ça me coûte 1000 de thunes. Et ben on fera peut-être ça du coup lors du prochain épisode. 1000 c'est franchement pas cher payé, on se téléporte. On essaie de faire la bataille, on va peut-être la perdre, hein. On essaie de la faire et après on revient, on s'occupe des elfes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.